et bienvenue de retour sur ma chaîne. J'adore dire ça. Je commence à prendre l'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie confession. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite. Pour ce premier article confession, on est en compagnie de Helmut. Je crois qu'il est un petit peu timide pour parler à la caméra. Hop, on met ça bien droit. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de dysmorphophobie. Dysmorphopho quoi? Non, ce n'est pas la nouvelle tendance Instagram à la mode, du moins je l'espère. La dysmorphophobie, c'est comment dire, une distorsion complète de l'image qu'on peut avoir de son corps quand on se regarde dans le miroir. Donc oui, effectivement, personne se voit réellement comme les autres peuvent nous voir, mais pour certaines personnes, dont moi, c'est même une torture et l'image qu'on voit est complètement différente et distendue par rapport au reflet que les autres peuvent avoir. Si vous me suivez depuis longtemps et que vous avez lu mon livre, vous savez que j'ai été hospitalisée à Sainte-Anne. Quand on rentre à Sainte-Anne, il faut savoir qu'on rentre avec un certain poids, on nous fait ressortir avec un autre poids, et pendant tout ce temps, bah, vous avez pas de miroir. Et un jour, au bout de beaucoup de mois, on vous montre votre reflet et on vous dit voilà, voilà à quoi tu ressembles aujourd'hui. Donc, quand vous vous retrouvez face à ce miroir, c'est pas simple. Vous voyez quelqu'un que bah, vous avez l'impression de ne pas connaître, que vous ne reconnaissez plus, vous regardez un corps que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, et il va falloir apprendre à le réapprovisionner. J'arrive pas à le prononcer, ça fait quand même 3 fois que j'essaye de le dire. Vous me comprenez. Alors, on peut faire ce chemin avec les aides. Moi, j'ai décidé de sortir et bah, j'ai dû faire le chemin toute seule. Et c'est là que se sont créées un petit peu cette dysmorphophobie qui s'est renforcée encore plus avec le temps. Et c'est devenu une image qui est extrêmement difficile. À la même période, je me suis mise à la photo. Je pense que pour moi, c'était vraiment une façon en fait de capturer un moment réel et essayer de le voir à travers la caméra puisque j'arrivais pas à faire confiance à mes yeux. Et qu'à travers la caméra, j'avais l'impression de vraiment voir la réalité des choses. Sauf que, avec l'essor des réseaux sociaux, bah, j'ai l'impression en fait que c'est encore pire. Par exemple, j'ai mes copines qui vont me prendre en photo mes looks, comme plein de gens sur Instagram. Et parfois, je vais regarder les photos et leur dire bah, elle est horrible cette photo, on dirait que je suis fine. Et elles vont me regarder avec des yeux et me dire, mais en fait, c'est pas, on dirait, c'est vraiment la taille de tes jambes. C'est des choses qui vont me mettre en colère. Je vais partir et bah, je vais passer devant le miroir. Et je vais regarder le miroir pendant des heures. Je vais toucher et là, je vais avoir une vision qui est encore différente. Je vais avoir l'impression que le miroir, il est bah, complètement gonflé, complètement distendu et là, on se retrouve complètement dans une perte, en fait, de la réalité. On n'arrive plus à savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et on ouvre notre téléphone et on voit des corps. On en voit plein, on en voit plein. Et une quête un petit peu de la perfection commence à se créer. Et je pense que le problème avec les réseaux sociaux, quand on souffre de dysmorphophobie, c'est qu'on est encore plus, en fait, dans cette quête d'un corps. On a du mal, mais vraiment beaucoup de mal, à savoir ce qui est réel. Est-ce que c'est ce qu'on voit sur notre téléphone ou est-ce que c'est ce qu'on voit dans le miroir? Un petit peu comme si, bah en fait, c'est les likes qui vont déterminer si on est jolie ou si on ne l'est pas. C'est les likes qui vont dire si ce jour-là, bah, on mérite d'avoir un corps qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Et que c'est ces likes, encore une fois, qui vont déterminer un petit peu la personne qu'on est. Et je pense que c'est quelque chose de très grave qui est en train d'arriver. Et que ça devient extrêmement important, non seulement qu'on soit bienveillants les uns avec les autres, ce qui est en train de manquer complètement sur les réseaux sociaux, mais ça fera peut-être le sujet
d'un autre journal confession intime. Dites-moi en commentaire si jamais c'est quelque chose qui vous plairait qu'on aborde. Mais il va surtout falloir avoir beaucoup de bienveillance envers soi, en fait. Et passer par des choses, moi, mes techniques, c'est par exemple, tous les jours, quand je prends une douche, je prends vraiment le temps, en fait, de me mettre de la crème. Et en fait, c'est vraiment le fait de palper qui devient un petit peu comme une thérapie. À l'époque, je me rappelle quand je suis sortie, ma thérapie, c'était de faire du pain ou de faire des pâtes à tarte. Et en fait, de malaxer les ingrédients, ça m'aidait. J'avais vraiment l'impression de retrouver du toucher, de retrouver du réel et de la matière. Et en fait, j'essaye de faire cet exercice tous les jours. Il s'avère que bah, souvent, je finis en larmes, je finis en colère. Et voilà. Mais il faut vraiment trouver chacun nos techniques. Et je pense que c'est un sujet dont on a besoin de parler. Donc voilà, aujourd'hui c'était le premier sujet que j'avais envie d'aborder. Cette image qu'on peut avoir de soi dans le miroir qui est complètement distendue de la réalité. Essayez de savoir un petit peu, bah, vous, vos techniques. Moi je sais que vraiment les miennes, c'est passer du temps à mettre de la crème, prendre des photos aussi. En fait, quand vraiment je suis perdue, je vais m'auto-prendre en photo via un miroir et regarder les photos. Et c'est vrai que souvent, ça me fait prendre conscience. Ah non, Helmut, il a envie de montrer à la caméra avec moi. Vous pensez que cet amour, il est réel ou il est irréel seulement à la caméra? Donc voilà, c'est un sujet qui ouvre à débat. Donc j'ai envie d'en discuter avec vous. Donc donnez-moi un petit peu vos astuces en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain confession intime sur la chaîne de Anna Dazile.